Plop les gens, c'est Zikino de retour pour un nouvel épisode de Graveyard Keeper. J'ai toujours pas essayé la pierre foyer, je sais maintenant ce qu'elle fait, c'est bien un TP. Et donc la suite, on a un peu avancé, on n'a pas avancé pour l'astrologue, mais on a avancé pour le marchand avec Mademoiselle Charme. On a avancé Mademoiselle Charme. Mais il lui faut la chanson d'amour. Et ça, on l'a eu avec Wagner. Alors, est-ce que Wagner, il va se trouver... faut qu'on le retrouve. Et en fait, Wagner s'est transformé... Oui, il est là, à gauche. Il s'est transformé en... en bête, en loup-garou. Enfin, en bête, oui. Et il s'est caché pas loin du fort. Apparemment, c'était le... Le fils du gars du fort, donc c'est sûrement en fait à lui que Mademoiselle Charme a vendu les... C'était à lui que Mademoiselle Charme est censée avoir vendu les... Comment ça s'appelle ? Son collier. Oh mais les oignons, je les ai oubliés tous, non. Et du coup, ben, maintenant il est prisonnier, entre guillemets, dans le fort. Sous sa forme de bête, il y a des poils qui lui ont poussé de partout à cause d'avoir bu de la gnôle distillée, mélangée, infusée avec du... avec des champignons rouges, les champignons vénéneux. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Paroles de chanson, invitation acceptée. Tout ça, j'en ai besoin, mais pas forcément tout de suite. Ça, je vais le reposer là-haut. Alors ici, est-ce qu'on a les oignons? Oui, très bien. Ensuite... On est le jour de serpent, il va falloir retourner aussi au sous-sol. Il va falloir retourner au sous-sol aussi. Non, qu'est-ce que je fiche ici, moi? Je voulais aller au cimetière. Pour voir dans le coffre du cimetière ce que j'y ai mis. Les permis d'exhumer achetés aléatoirement. En fait, je sais pas du tout. Je sais pas du tout où j'ai mis les papiers de citoyen, les papiers de... les papiers pour aller à la ville, tout ça. Bref, c'est pas grave. J'aurais bien aimé réessayer d'aller à la ville. Oh, ça s'est agrandi un petit peu ici. Mais bon. Effectivement, il y a un espace ici à gauche où je pourrais mettre un candélabre. Au moins pas le mural. Il faudrait que je revienne avec 6 pièces de fer simple. Mais pour faire simple, pas tout de suite. Poser les deux papiers parce qu'il m'en faut un. Il va me les falloir le jour de Mademoiselle Charme et le jour du sermon. Oh. Ben, je vais tout mettre à côté. Ici, comme ça le jour du sermon, je pourrais les voir et y repenser. Et on va retourner là. Mais normalement c'est l'avant-dernier l'avant-dernier niveau. Le 9 donc. Où il faut que je retourne à la toute fin.
pour récupérer l'or. Et... non. Je veux dire, j'ai pas fait l'épée. Attends, il y avait des trucs à droite ici. Non. J'ai pas fait l'épée améliorée, mais il me faut de l'or pour faire l'épée améliorée. Donc c'est normal. Donc tout va bien. Là, j'aurais pu... oublier de venir jusqu'ici. 8 d'or, je crois que c'est exactement ce qu'il me faut. Je sais plus s'il me faut 8 lingots ou 8 avant les lingots là, minerais. Ok, donc ça c'est des chaises correctes. Ah, des blobs dorés. Économiser un petit peu d'énergie, même si je pourrais faire mieux niveau économie. Oh là, là par exemple c'est pas de l'économie, c'est juste survivre. Ah mince. J'ai pris suffisamment de dégâts. Ah, de l'argent. Super. Des mouches. Il me reste de la place. Une seconde là que qu'il ne m'en reste plus. Ah, c'est le jour de l'inquisiteur. J'ai rien à faire avec l'inquisiteur. Non. Oh punaise. J'ai 2 potions. C'est bien. Ça se stack facilement. De la gelée orange. Donc il y a eu gelée verte, bleue. Et après on a enchaîné noir et orange quoi. Ça en fait beaucoup. Les ailes, c'est ici. Je me demande. Non, les clous sanglantés, ils sont là.
il est boum. D'ailleurs. Oui, ça. Okay. Ça consomme un peu plus d'énergie. Que l'épée de base, mais la même épée en juste décorée. C'est pareil. Alors, ici. Non. Pas ici. Ici, on va faire les lingots d'argent, c'est bien. Et là, les lingots d'or. Ça me fera 4 lingots. Et on a dit qu'ici, il faut 3 fragments de bijoux en or. Et du coup, 3 lingots d'or. Donc, c'est bon. Je vais pouvoir avoir mon épée améliorée. Si je fais attention à la faire comme il faut, la prochaine fois que je vais au sous-sol. Il y a trop de pierres. J'ai oublié de poser ça. Graines aussi. Voilà. Si t'allais trop vite, ça marche pas avec ce jeu. Ça c'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire le jour de l'homme vient de passer là, l'inquisiteur. Demain l'astrologue normalement il avancera pas vu que Mademoiselle Charme veut toujours pas lui parler. Ensuite le sermon, ça faudra pas oublier de prendre les papiers. Et ça devrait être bon. On avancera normalement avec l'évêque. Ensuite le jour de la femme, on garde les papiers ou on prend les autres au choix. On va la voir, la chanson, voilà. Et elle est contente. Ensuite le marchand, il n'y a rien. Et le serpent, faut aller au sous-sol. Bon bah, j'ai pas grand chose en soi à faire. Je pourrais peut-être essayer vu que ça fait longtemps. Une petite session poisson. Alors on va prendre ça. Et on va se faire une session poisson pêche pour utiliser les mots normaux. Je crois que c'est de l'autre côté. Un grain de sable qui me bloque. Je crois que c'est là-haut, mais de l'autre côté. Enfin, on a plusieurs endroits, mais l'un des plus proches. Alors, ok. On va essayer là, parce qu'il y a 100% de chance d'avoir un que je n'ai pas. Ici déjà.
Normalement, j'espère prendre du poisson rose. Parce que la chair rose, je n'en ai pas eu. Punaise. Je suis fatigué. Je sais pas, je n'arrive plus aussi bien. Alors avec ça, sur Sard Valley, je l'ai pas le poisson, il s'est échappé 10 fois. Une carpe dorée. Très bien. Ouais, eh bien, il y a bien une jauge de santé, plus ou moins, pour chaque type de leurre d'utilisation, on va dire. Une carpe dorée, très bien. On va essayer d'avoir l'autre à 60% de chance. Si ça se trouve, certaines carpes argentées, je serais un peu déçu. Mais au moins, je le saurais. En fait, c'est pas aléatoire. C'est la même. Ce n'est pas aléatoire le mouvement de la carpe, en tout cas. Ça suit la même sinusoïde en boucle. Elle est pas facile à gérer. Ah, c'est pas la même. Donc c'est autre chose comme poisson. C'est un esturgeon. D'accord. Rien que la canne à pêche, en fait, ça m'a... Ça change le type de poisson que je peux avoir, quoi. Il n'y a pas besoin de leurre. Boum, bim, boum. Alors, ça ressemble à de la carpe dorée, ça. Ça ressemble à la sinusoïde de la carpe dorée. J'ai sauté un peu trop tôt. Exactement. Pourquoi, quand la dernière fois que j'ai pêché, c'est sans appât, il me remet le dernier appât utile. Ok, et il faut un leurre pour avoir une probabilité d'avoir ce poisson. Ah, ok. Ça ressemble vaguement à de la carpe dorée. Hein. Ah non. Je disais bien que c'était vaguement. Du saumon. Ça ressemble à ça, le saumon. C'est dommage que là... Attends, peut-être qu'il y a la souris un peu. Ah, collectionneur de poissons, succès. C'est empêcher combien de types? Attraper 10 types de poissons différents. D'accord. 36 succès sur 62. Attends. Si je vais là et j'appuie sur E. Non. Ok. Je voulais voir si à la souris on pouvait. On pouvait savoir c'est quel type de poisson. Parce que. C'est un peu ce qui manque. C'est, tu le sais, mais faut reconnaître l'image. Ce qui n'est pas forcément évident. À tous les coups. Là, on va prendre un peu d'argile. J'aurais pu prendre du sable d'ailleurs. C'est pas grave, je crois que j'ai du sable encore, mais de l'argile moins. Ou là, enfin, peut-être que j'en avais pris. Tant pis. On s'arrête avant. Si on atteint. On les attend. Bim 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 boum. Alors. Tu vas pas.
pas m'embêter là pour les baies. Hop là. Ah, et on va pouvoir se faire nos bijoux, tout ça. On va poser ça ici. On va reposer la tourbe. L'argile. Oui, je fais des allers-retours parce que je ne fais pas assez gaffe. Toi, bosse ici. L'argile, j'en avais deux. Le sable 17, donc pas non plus beaucoup de sable. Les poissons. Je pourrais les étudier. Je vais poser les baies au sous-sol. Non, je vais dormir. On va voir pour étudier les poissons, peut-être. Pas sûr que ça serve à grand chose. Bim, bim. Et voilà. Hop là, on se réveille. Presque full vie. On a dit qu'on regardait les poissons. Il y a presque moyen de faire un tour au sous-sol aussi. Un saumon. Ouais. Oh. Voilà, j'ai du verre à plus savoir quoi en faire. Mais j'ai gagné quelques petites histoires. Hop là, non, pas toi. Les poissons, je vais voir si je peux les découper. Faut poser les baies. Et je peux remonter. En fait, du coup, là, c'est soit je fais... Ouais, vaut mieux faire l'épée améliorée. Vu que ça nous servira pour faire le. Pour faire le donjon. Alors que sinon j'aurais pu faire. Aller directement au donjon, mais. Sans épée améliorée. Peut-être pas très utile. Alors, on repose les appâts. Et les poissons. On va directement les couper du coup. On ne peut pas... Ah, ça doit être dans les... D'accord, donc il n'y a que de la dorade en rouge. Ah, et tout ça, c'est des poissons bleus, d'accord. D'ailleurs, mon esturgeon, il est de qualité argent, d'accord. Et oula, petit bug côté. C'est bon, le chat est revenu. Si jamais quelqu'un vient. Ah, du coup, j'ai deux qualités de poisson bleu. C'est super, j'adore ça. Donc,
Comment est-ce qu'on cuisine du poisson? Je me souviens plus, ça doit être là, évidemment. Poisson royal. Très bien, ça. J'aime le saumon fumé, c'est là. Mais en vrai, le saumon... c'est un poisson bleu. Voilà. Donc appelez-moi ça de la... C'était de la carpe ou de la truite. Si vous voulez, mais pas du saumon, s'il vous plaît. On va faire ça. J'ai pas vu combien de temps ça prenait. On va reprendre les le jus de baie. On va le mettre au sous-sol. Et on va enfin se concentrer à faire 3 fragments de bijoux. Ça va durer une éternité à les faire en plus. Je pourrais demander à un zombie de le faire. Ça consomme pas d'énergie, c'est juste lent. De toute façon, là, faut faire passer le temps aussi. Ah oui, ça donne du bleu. Donc non, pas pour le zombie, ou pas les derniers coups. Consommer toute mon énergie. Je voulais savoir. Oui, étude, mais ça s'étudie qu'en rouge. Donc c'est pas grave. Du miel. Oui, du miel, ça va bien. Voilà. Et maintenant, on fait l'épée de Damas ornée d'une gemme. Qui consomme beaucoup plus d'énergie, mais moins de temps. Voilà. Et ça me l'a amélioré directement. Très bien. On va faire le... cuisine. Non, je rigole. On va aller faire le sermon. Parler à l'évêque. Et après, on ira dormir. J'ai pas pris les pièces de fer. Ben oui, c'est vrai que notre église est merveilleuse. C'est même une cathédrale maintenant. Alors prions. C'est sympa, hein. Récolté 4. Je me suis dit qu'il allait pour une fois pas en récolter, mais non, il en a récolté 2 fois plus que d'habitude. J'ai une invitation acceptée. Attends, à propos de la cathédrale, retour, oui. J'aurais dû le faire, peut-être. Comment c'est la cérémonie? Le gardien de la cuisine royale a accepté l'invitation. Bien, commençons donc la cérémonie. Tout d'abord, attendons notre invité, notre importante invité. C'est bien, je viens de faire une cérémonie, n'est-ce pas? Bonjour, mon frère. Bonjour. Je suis ici pour la cérémonie en tant que gardien de la cuisine royale. Je suis si heureux pour toi. Thank you.
Nous devrions commencer, votre sainteté. Oh, je suis si nerveux. Ce sera juste une cérémonie classique. Non, je parle de mon frère. Ce n'est que maintenant que je vois à quel point il m'avait manqué. Il y a moins de gens que dans mes cérémonies normales. Chers paroissiens, nous sommes réunis ici pour prier pour l'eau de la ville. Oui, et aussi pour prier pour que nos familles. Il n'y a que la famille qui puisse nous aider à survivre dans ce monde cruel, même à la sécheresse la plus terrible. Oublions vos vieux combats et pardonnons-nous. Et prions pour l'eau. Oh oui, bien sûr, et prions pour l'eau. Quel beau discours! J'ai besoin d'aller dire pardon à ma mère. Et je vais tomber des cordes. Mon frère, oui, mon frère. Les deux frères, succès. Je suis si heureux pour toi, si heureux. Non, c'est moi qui suis heureux. Je suis si heureux. Regarde ce que nous avons accompli. Nos parents seraient si fiers. Ok les gars, je devrais probablement vous laisser seul. Merci, merci beaucoup. Vous avez vraiment été d'une grande aide. Avez-vous toujours besoin de mon miroir? Oui. Très bien, prenez-le. Vous pouvez également prendre ma fourchette. Viens, nous avons tant de choses à nous dire. Bien sûr, laisse-moi te raconter mon aventure. Bof, ce serait mieux de parler de notre futur. Ah, ok. Bon, ça va pas donner de fou en plus, ça aurait été craqué. Mais ça aurait été bien. Je n'aurais pas craché dessus. Donc il n'est plus là. Est-ce qu'ils reviendront les autres jours? On verra. PNJ, marchand 100%, évêque 100%. Donc si ça se trouve, on ne les reverra plus. En tout cas, leur jour n'a plus beaucoup d'importance. Maintenant. J'ai une histoire. Le miroir et la fourchette. Je vais les mettre là. Je sais pas trop où les mettre. Alors, j'avais acheté des bouts de bouquins, là, des couvertures, et au final, je ne les utilise pas. Si, j'avais pris les deux pour comparer à combien il les achetait et lui vendre celui-ci. Mais du coup, il s'est cassé. Donc j'espère qu'il reviendra la semaine prochaine. C'est pas hyper important, mais bon, ça me fera une place d'inventaire, quoi, et un peu de sous. Le zombie, pendant ce temps, a fini un nouveau bouquin qu'il a posé, je ne sais pas où, ici, bleu. Oui. Un bouquin bleu. Du coup, j'ai 44, ah, presque 50. Je crois que je vais faire ça. Hein. Agriculture et nature, j'aurai à 100%. Mais... Il y a ça qui peut être intéressant aussi. D'ailleurs, je suis loin d'être à 100%. Vu que j'ai ça et ça. Écriture, il me manque juste ça. D'ailleurs, l'écriture, faut que je regarde. Théologie, il me manque plein de trucs. Genre la crémation. Genre faire des vitraux, tout ça. Ici. Distillation numéro 2. Bof. Hop, construction. Construction, j'ai pas mal aussi à faire.
forgeage. Oui, voilà, on est retourné au début. Donc on va se finir ici dès qu'on peut. Des prospectus, j'aimerais bien en avoir. J'aurais bien aimé en avoir 20. Je sais plus si c'est 20 ou 30 ce qu'il me faut. Attends. Donc 6, 5, 10, 15, 20. Un papier pour 5 prospectus. Là-bas aussi, non? Oui. Ok. Comment on fait du papier? À partir du papier en pot de porc, bien évidemment. On va dormir. Faut que je pose la foi et la bénédiction. À 28, je suis tombé pile poil. Une bonne série de papiers à faire, comme ça le zombie continue de travailler. Et on se couche. On boit un petit peu d'eau, c'est bien aussi. Excusez-moi. Ah bah d'accord. On est d'accord que... Hein? Ah oui, non. Ça a 30% de chance de faire de la qualité au-dessus. Ah. Oh. Je croyais que ça avait... J'avais à peine regardé. Je pensais que ça avait moins de chance de faire sa propre qualité. Non, c'est parfait ça. Du coup, j'ai des poissons. Par contre, j'en ai deux, quoi, du coup. 60 et 84. Waouh. Il redonne beaucoup, beaucoup d'énergie. On en était à faire à l'épée. Non, on avait fait l'épée. Non, on était au sous-sol. Toi, je te remets là. Faudrait que j'aille un jour au sous-sol. Enfin, que je ramène les billes de bois. Je veux dire. Au lieu de crémation. Bim bim boum. Bili bim bim boum. Alors. Voilà. On va commencer par faire. Ça fait 2 de bleu. C'est ça. 46. 48, oui. Alors qu'ici ça en faisait plus, c'est ça? Je sais plus. Je ne sais plus du tout. Ça n'en fait que 2, alors que j'en ai fait. 4 de l'autre côté, bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais me débarrasser de toutes ces ailes de chauve-souris et d'une bonne partie du papier en pot de porc. Ça va déjà être l'heure d'aller voir Mademoiselle Charme.
Alors, il me faut 8 d'os. Il me fallait 6 pièces de fer simple aussi. Donc, 8 d'os. Ah oui, mais 2... par 2 slots, donc ça fait 8 et 8, 16 d'os. Logiquement. Là. Non, les d'os ne sont pas ici. Là. Donc 45, ça en fait 10. 40, ça fait 15. Et là, ça en fait 16. C'est parfait. Et j'ai oublié de poser le bout de papier en peau de porc qui traînait en râpe. Donc on va le poser. Non, pas ici. Et j'ai... Bon, tant pis. J'aurais pu revenir avec les 6 pièces de fer simple. Ça aurait permis de regarder au moins comment la cathédrale on peut l'améliorer. Comment on peut améliorer la cathédrale. Pim pim pum. Alors campagne marketing, ah, il en reste une, j'hésitais. Ah non, c'est par-ci, c'est pas par... pas par 8. Du coup, 2 pièces de fer simple et 10... prospectus. Bonjour madame. Alors, mademoiselle Charme. Voilà. Salut mon chou, que puis-je faire pour vous? J'ai toujours des questions que je n'ai plus. Mais bon, j'ai la chanson parfaite. Voilà votre chanson, elle a été écrite spécialement pour vous. Poisson. Voyons cela. Succès, chanson voilà. Parfaite. Oh, c'est adorable. J'en ai les larmes aux yeux. Qui a écrit ceci? Son amour est si pur. C'est une authentique déclaration d'amour. Il m'a compris. Elle a été écrite par un poète qui travaillait ici dans la taverne. Il est amoureux de vous. Oh, je me souviens de lui. Il était si timide. Où est-il à présent? Eh bien, je ne sais comment vous l'expliquer. Il a été capturé par les gardes. Il se trouve dans le fort de la montagne. Et vu son état, je ne pense pas qu'il restera en vie bien longtemps. Voilà. Retenez-moi, je crois que je vais défaillir. Voilà. Nous devons le sauver. Voilà. Promettez-moi de m'aider. Voilà une opportunité parfaite pour l'astrologue de prouver à ses filles qu'il tient à elles. Je vais essayer de vous aider. Restez là et attendez-moi. Commercer avec elle, je ne savais pas qu'on pouvait. On peut lui acheter des bijoux et du parfum. Très bien. Donc l'astrologue est loin dans le temps. On va dormir. Non, je vais d'abord regarder à l'église. Ce qu'on peut faire. Bim 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 b
c'est pas ici. Oh, un peu de four et une histoire. Alors, candélabre muro. Non, ceux-là sont déjà pris en fait. Ok. Ok. Et lui, il a pas la forme d'un candélabre mural. Ok. Et candélabre normaux. Alors on peut pas mettre plus de bancs du coup. Ni plus de... confessionnel, là où on peut pas mettre grand chose. Ah si, peut-être qu'on peut mettre un confessionnal ici. C'est du 4x3. Le confessionnel il fait combien? Je crois que c'est pile poil la place de mettre un confessionnel de plus. Du coup, bah, vous savez ce que je vais faire. 12 planches de poids et 4 pièces de fer complexes. On va passer par dehors. Non, faut aller au sous-sol. 12 planches de bois, 4 pièces de fer complexes. Un peu de miel, un peu de miel. Un de foi et des histoires. Un petit tour, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais poser ici? Ah bah j'ai pas pris en fait la tourbe. Allez, du miel un petit peu. Tant pis. Bim bim boum boum bim bim bim. Est-ce que le marchand voudrait de l'agneau? Ça m'étonnerait un peu quand même. Alors là, il y a beaucoup de billes de bois, ça devrait aller maintenant. Professionnel. Parfait. Hein? Oh non! Ah, il prend une caisse de trop en largeur. Punaise. Mal compté.
contre, je pourrais mettre un hôtel. Qui vaut plus qu'un candélabre et qui en plus n'a pas besoin que je remette des bougies. Fais voir l'hôtel. Hôtel en bois, 4 pièces de fer simple, 4 poutres, 4 planches. J'aurais dû passer au sous-sol directement. J'ai rien à poser ici, on est d'accord. D'ailleurs ça, je vais poser là. Youp. Excusez-moi, je vais faire apparaître les souris. Hop. Voilà. J'avais pas trop pris le temps de la regarder. Hop. Ah, c'est pile poil, ça rentre. D'ailleurs, ça me donne l'impression qu'on peut y aller faire. Ou je ne sais pas trop quoi, mais en fait non. Donc 1, 2, 3, 4, on va refaire 4. Plus toute la fournée, non, va falloir en refaire 12. De toute façon, il n'y a pas plus de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10 par 10, ok. Salut, comment ça passe la vie avec votre nouveau titre? Je suis malheureux, le roi a l'habitude de manger n'importe quoi. Et il a l'air d'aimer ça. J'essaierai d'améliorer son goût, mais il va y avoir beaucoup de travail. Donc, si vous avez autant de travail, pourquoi venez-vous toujours ici? Et mon nouveau travail est respectable, mais pas vraiment rentable. Et apparemment, mon glorieux frère a beaucoup de dettes. Il est de ma responsabilité familiale de l'aider. L'amusement ne s'arrête donc jamais pour moi. Faisons des affaires. Ah, ah. Ok. Et 48 centimes. Bah non. Et bah non, tout simplement non. Il m'achète ça moins cher. Bon, il y vend pas trop cher, j'avoue. Mais il achète ça moins cher que ce qu'il me vend des graines de vigne. Bron, argent, même pas or. Oh là là. Bref, faut que je pose ça. Et je peux aller me battre au sous-sol. Faut dormir d'abord. J'ai menti, faut dormir. Est-ce qu'on peut presser des trucs? Quatre sous de jus de baie. Bon, pas assez d'énergie cette fois. Voilà. De pseudo, c'est par ici.
Je me sens bien rafraîchi. Et c'est l'heure du combat. Oui, d'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais les deux frères, c'est... Ah non, c'était chance parfaite. Pardon, obtenir une chanson parfaite de Wagner, vous pourrez devenir riche quand vous rentrerez chez vous. Ah. Et les deux frères, j'ai pas regardé rapidement. Le temps c'est Charles. Ouais, on n'avait pas fini le niveau 10. Voilà, juste... Les deux frères, c'était quoi? Aider le marchand à pardonner son frère. Meilleure de mes stratégies jusqu'à présent. Bon, apparemment l'épée qui fait 20 de dégâts, ça ne one-shot pas les blobs, mais ça laisse un PV, c'est rageant. Oui, il m'en reste plein de place. Bien. Il me reste plus beaucoup de place. Les graines de betterave, c'est pas grave. Les graines de betterave détruites. Quoique. Attendez. Ah, j'ai besoin de PV, mais. Pas d'énergie, mais je peux sortir, ouais. Alors on regarde vite fait par là. Je sais pas à quoi ça sert vu que je ne m'en souviendrai sûrement pas. Ok, il y a une salle. Pas la salle finale normalement. Donc ça c'est en descendant. Si j'étais allé à droite... Oh! J'ai l'impression que je vais avoir besoin d'une clé pour aller plus profond. Je devrais en parler à Serpent. Yes! Je suppose que c'est le blason du gars qu'on a écrasé. Et je suppose ou je sais que du coup les phrases quand on l'a écrasé, je les ai eues. Enfin, j'aurais dû d'abord venir ici et du coup ça aurait été logique. Ah bah voilà, j'ai le blason pour aller au sous-sol. Alors que là, c'est un peu à l'envers. C'est ah bah voilà, je vais pouvoir aller plus loin au sous-sol. Et maintenant je comprends pourquoi. Bref, oh serpent. Hello Lilria. Alors, savez-vous quelque chose à propos de la clé permettant d'accéder au niveau 11 du donjon? Le passage qui mène à la partie la plus profonde du donjon est verrouillé. Savez-vous comment y accéder? C'est une connaissance interdite. Je ne pense pas que vous soyez prêt à entendre tous mes secrets.
vous enfoncer dans les profondeurs du donjon sera probablement votre tâche finale. Ouais, mais... Ouais, d'accord. Tu peux dire Lily ou Lyra. C'est quoi, c'est Lily Lyra? C'est ça, en fait. J'ai juste mal lu. Désolé d'avoir écorché le pseudo. Et ça. Ensuite, les gelées, c'est bien ici. Mince, j'ai oublié. Le deuxième. C'est Lilira, j'ai juste choisi la difficulté, d'accord. Très bien, Lilira. Qu'est-ce que je voulais... C'est du bouteille de jus de baie, ça c'est pas très utile. Ça. Bon, ok. Alors, ça en haut, ça en haut, ça en haut. Et voilà. Je suis presque frais pour retourner au sous-sol. Qu'est-ce qu'il faut ? Il n'y a plus de pieux. Ok. Alors c'est pas très utile de faire trois fois le même truc à l'infini. retour. Ça, tu veux m'en faire 100. C'est la première fois que je te vois sur ce stream, en tout cas Lilira. Est-ce que tu connais déjà? Est-ce que tu connais le jeu? Est-ce que tu es déjà venu me voir, mais en muette, ou que j'ai totalement oublié? Ça non. T'as commencé le jeu, il y est plus. Ah. J'espère que t'as pas trop peur du spoil parce que j'en suis bientôt à la fin. Normalement. T'as connu le jeu comment? J'ai profité de le prendre lors du Mendel. Ah, très bien. Bon, moi je l'ai pris il y a beaucoup plus longtemps à sa sortie, mais le bundle. C'est pratique, les bundles. Qu'est-ce que je veux faire, là? Si, c'est bon, lui. Il a fini de bosser. Je sais même pas quand il a commencé, le bundle, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Tac. Du coup, qu'est-ce que je veux faire? Mais j'ai 50. Talent, maître vigneron. Vous aimez boire de l'alcool de qualité, surtout du vin. Vos gueules de bois dépendent de l'alcool que vous avez bu. De plus, l'alcool que vous fabriquez vous-même est de meilleure qualité. Ah. On va pouvoir se bourrer la gueule. Non, bref. On va mettre... Tac. Et voilà. Avant... J'avais 30% de chance, j'avais 50% de chance de faire du vin argent en faisant 2 argent, et maintenant j'ai 30% de chance de faire du vin de meilleure qualité. C'est mieux. Hop là. De la gnôle. Est-ce que j'avais une infusion de prête? Non. Ben, je vais m'en faire une. Qu'est-ce que je peux faire d'autre?
On a dit les missions, demain c'est le jour de l'homme, l'inquisiteur, j'ai pas de mission. Après-demain, c'est le jour de l'astrologue, il faudra que j'aille le voir. Bon là, j'ai pas trop la vide pour retourner au sous-sol. Quoique, si je peux peut-être aller au sous-sol. J'ai pas grand chose à faire d'autre. Et du coup, tu apprécies le jeu pour le moment, Lilira? J'y arriverai pas, hein. C'est compliqué. J'adore. Tant mieux. Presque envie de t'appeler Lilili plutôt, mais bon. Non, ici, il n'y a rien, on a déjà fait. En 3 jours, j'ai déjà joué 25 heures. Ah oui! En fait, t'es pas trop loin de là où j'en suis alors. C'est ça. Oui, là. Soit faut que j'y retourne avec le blason, soit j'y retourne tout de suite. 25 heures. Parce que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il y a peut-être. Peut-être un petit peu quand même. J'ai peut-être fait 4 ou 5 vidéos depuis, mais j'avais fait 24 heures de live dessus enregistré. Sachant que je prends des. Vu que j'enchaîne pas autant. J'ai des petites pauses en mode bon, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce que j'en étais, tout ça. Et si tu fais ça en 3 jours, tu ne dois pas avoir. J'ai cru non, tirer 4, mais c'est long. J'ai pris mon temps et je n'ai pas compris certaines choses. Ah, mais t'as fini le jeu ou pas? Parce que, à dire ça, j'ai pas compris certaines choses. Voilà. Bon. Ah, t'as recommencé une partie, d'accord. Du coup, là, faut que je ressorte, que je prenne machin. Donc, on va pas le faire tout de suite. Tac. Ouais, vaut mieux que je ressors. T'en étais loin, du coup, quand t'as recommencé. T'as recommencé, pourquoi? Parce qu'il y a des trucs que tu comprenais vraiment pas. Normalement, on peut pas être bloqué dans ce jeu. Après, il doit y avoir des moments où... Enfin, il y a beaucoup de moments où on sait pas quoi faire, évidemment. Mais, normalement, être vraiment bloqué... C'est pas trop possible. Genre, on aura toujours. Avec l'église, il y a toujours un moyen de récolter de l'argent et de la foi, ce genre de choses, quoi. Si loin de la surface. Ah, succès. Succès, si loin de la surface. Terminer le niveau 10 du don. Je n'ai pas encore commencé les quêtes du serpent. Ah. Les quêtes de serpent. De toute façon, toutes les quêtes sont utiles. Il faut toutes les faire à un moment ou à un autre. Parce que au bout d'un moment, t'es bloqué par machin et par bidule pour avancer la quête de trucs. Donc t'es obligé d'avancer un peu toutes les quêtes. Et par exemple, là, je fais plus ou moins un rush donjon. Parce qu'au début, je ne l'avais pas du tout fait, genre, pendant, je pense, les 10 premières heures, j'ai pas touché au donjon. Et du coup, à peu près, en tout cas, du coup, c'est compliqué. Ça, c'est là-haut, ça, c'est là-haut. Je ne les fais pas, d'accord. Bah, si tu veux pas les faire...
Mais ouais. Oui, c'est tout là-haut. Ouf. À chaque fois, la transition sur la... sur la brume, ça m'embête, ça me surprend. Pique un petit peu les yeux. Non. Boum, boum, bim, boum, boum. Non. Flemme. Si, quoique. On est en train de faire du miracle alcool. On va en profiter. J'ai mis 3-4 heures à comprendre les zombies, par exemple. J'avoue que j'ai mis un petit peu de temps aussi. Enfin, à les utiliser. Au début, j'avais pas compris qu'il fallait les mettre sur des postes, comme ça, en fait. Mais une fois qu'on comprend ça, c'est plus très compliqué. Du coup, tu connais comment ça s'appelle, la carrière au nord-ouest, les mines où on fait travailler justement les non-morts. Ce truc-là, j'ai l'impression, si je vais pas voir le zombie qui est là-bas en train de me couper de la pierre, il sature quoi, la pierre et le fer. Il sature assez vite. Ok. Grand vigneron. Pourquoi j'ai grand vigneron? Tout d'un coup, j'ai rien fait. C'était quoi ce succès, grand vigneron doré? Produire un vin de grande qualité. Oula! Mais ça date d'il y a 10 minutes au moins. Si je fais plus de gnôles, je vais en faire un petit peu. Moi, ce que j'ai pas compris pour le moment, c'est comment on fait des... Enfin, c'est l'alchimie, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal à tester des trucs. Il aura vraiment fallu que je les note, mais même en les notant... Me dire, j'ai testé. Enfin, il aurait fallu que je note à la fois quand je combine ça, ça fait ça, et à la fois quand je combine ça, ça fait rien. Parce que là, je me dis, bah ouais, mais si j'essaye de combiner, je sais pas, du sel et du sang, hop là, se réveiller. Mais je l'ai déjà fait peut-être, du coup, ça m'embête, tu vois, de refaire les trucs qui foirent. Hop là, reload du chat, 2 secondes. Au début, je n'avais pas compris qu'il pouvait travailler, donc il s'occupait juste du transport entre la mine et chez moi. D'accord. Ah, si, c'est bon. Oui, c'est sûr que les zombies qui font juste le transport, c'est pas les plus efficaces, mais... bon, c'est pas grave. Faut que j'aille voir l'astrologue, donc ne pas aller au sous-sol maintenant. Je vais faire du vin, tout ça. J'ai de la bière. Bim, 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 bim.
On pose ça. Je dois trouver la recette pour en avoir plus. Ah la recette... Du coup, t'as la moitié de la recette, normalement. Déjà. Je vais prendre ça. Normalement, tu sais la moitié. Hop là. Ouais, c'est ça. Gunther a dû t'aiguiller sur la piste du sang. Un élément et du sang, ouais, une poudre et du sang. Alors, si tu veux, je peux te le dire. Enfin, quoique, faudrait que j'aille vérifier parce que les noms, je les confonds. Tac, tac, je veux tester si je peux vendre ça, si je peux vendre ça. Je vais vendre ça et ça. C'est bon. Hein. C'est tout bon. Non, ça. 12. Il faut des clous et des planches. Et des dosses. Et des clous. Moi, bah justement, comme je t'ai dit, j'ai du mal à faire des tests, tout ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les poudres. J'ai pris toutes les poudres. Voilà. Et à un moment, j'ai testé poudre et sang. Poudre 2 et sang. Poudre 3 et sang. Poudre 4 et sang. Quand j'ai vu que j'avais assez de sang en rab. Et du coup, bah, ça s'est bien passé après. du coup, c'était... Donc, que je dise pas de bêtises, la poudre de santé. La vert foncé. Si je dis pas de bêtises. C'est la vie ou la santé, mais c'est la vert foncé. Et après, faut trouver comment faire cette poudre. Ça a été marrant. Ça m'a pris 4-5 heures. Mais pareil, parce que j'ai pas fait beaucoup de tests. Vendre. Vendre. 10. Il ne veut pas de vin rouge doré, d'accord. Bon, l'agneau et le... Et l'infusion, je m'en doutais un peu. Et on va voir notre ami l'astrologue. Mademoiselle Charme a besoin d'aide. Non, je vais commencer par commercer parce que la dernière fois que j'ai avancé, ça a un peu... J'ai pas pu commercer. Je veux speedrunner la fin. Là. J'en ai marre du bleu qui est lente. Dans ma première partie, j'ai 177 jours, 95 à mon... 177 jours. 95 à mon cimetière et 23 à l'église. D'accord. Ben là, je crois que je suis à 301 jours. Et l'église à 51. C'est la dernière évolution, la cathédrale. 51, je sais que je pourrais l'améliorer encore. Mais il me faut du bleu, tout ça. Donc c'est pour ça que là, je vais en acheter. Et le cimetière, il est à 206 ou un truc comme ça. Mais j'arrête de recevoir des cadavres. C'est chiant à gérer. J'ai déjà pas mal de zombies, ça me suffit. Et j'ai le niveau du cimetière qu'il faut, donc ça me suffit. Terminer l'offre. Non, ça coûte cher parce que la plume coûte pas cher.
Et avec le pot d'encre, ça suffit. Bref, lui dire que Mademoiselle Charme a besoin d'aide. Avant de faire la voix de papy, on va boire un peu d'eau. Je pense avoir trouvé un moyen pour vous d'obtenir le pardon de votre fille. Deux histoires d'affilée. Que puis-je faire? Je suis prête à faire tout ce qui est en mon pouvoir, et même plus. Il y a un jeune homme. Enfin, actuellement, ce n'est pas exactement un homme. Pour résumer, il est en danger. Il est prisonnier dans le fort de la montagne. Votre fille cherche à le sauver. Pourquoi? Elle a dit qu'elle l'aimait, donc si vous l'aidez à le libérer, ce serait un premier pas dans la bonne direction. Intéressant. Le fort est fermé et gardé en permanence. J'y suis allé une fois au cours d'une expédition archéologique. Ça ne s'est pas bien terminé. Nous avons accidentellement fait sauter la passe nord. Ce n'était pas de notre faute. La grande déflagration a interféré avec nos calculs. Le seigneur commandant a menacé de me tuer. Nous en sommes sortis de justesse. Mais de nombreuses années se sont écoulées. Je devrais pouvoir organiser une nouvelle expédition sur ordre de l'université. Ensuite, nous devrions pouvoir discrètement libérer ce jeune homme. Oh, ça veut dire que je vais pas pouvoir y aller au fort. À propos de l'expédition, comment allons-nous ranger cela? Vous ne travaillez même plus à l'université. Bah, nous sommes membres d'un cercle restreint. Les querelles d'amoureux sont faciles à réparer. Il me suffirait de leur montrer que mes études ont progressé pour être aussitôt réintégré. Vos études ont-elles progressé? Pas vraiment, je me sens si vide à l'intérieur. Et maintenant, je n'arrive à penser à rien d'autre qu'à ma fille. Vous devez m'aider, vous êtes un jeune homme très intelligent. Savez-vous écrire? Oui. Écrivez un livre, évitez qu'il soit trop mauvais, mais écrivez ce que vous voudrez. Quelle argent. Avec mon nom prestigieux sur la couverture, cela devrait faire l'affaire. Un livre de qualité argent, parfait. Du coup... Oh, j'en ai déjà. Je sais pas si je reprends... C'est pas cher. Pas trop cher. Hop. Voilà, et maintenant, faut lui faire son bouquin. Et j'ai pas la pierre de TP sur moi. La pierre de foyer, j'aurais dû la garder parce que le astrologue est beaucoup trop loin pour faire du aller-retour. Bref, les zombies travaillent pour créer des clous et autres. Oui. En fait, tu prépares comme si toi tu crées quelque chose. Enfin, déjà tu peux les mettre dans les mines, mais ça je crois que tu as remarqué. Les mines ont l'air de servir quasiment qu'à ça. Enfin, on peut le faire à la main, mais ouais, on peut le faire à la main. Et après, tu peux dire. Alors, pour tout, je sais pas. Mais pour une bonne partie. J'ai pas vérifié si. Si le, la bouteille de jus de fermenté, il la voulait bien. Tac, tac. Non, le reste, ça va être à gauche. Mais du coup, tu lui dis juste... genre là, j'ai dit créer 110 fois des clous.
tu le mets au poste de travail et il va faire 110 fois des clous et te remplir tous tes coffres avec. Sous-sol. Ça m'a l'air tout au sous-sol. J'aurais peut-être pu monter l'autre. Oh, ça ira. Et après, c'est quand même assez bien d'en avoir un pour chaque endroit de livraison, je trouve. Ça t'évite de faire des allers-retours. Il y a lui, là, aussi. Je me souviens avoir vu une fois un stream de quelqu'un qui avait 5 ou 6 zombies qui travaillaient comme ça à la chaîne, qui avait rempli tout l'espace ici, là. Je sais pas combien tu peux en mettre, 4-5. Il y avait que des zombies qui créaient des bouquins à la chaîne. J'ai hésité, je me suis dit, je vais quand même pas aller jusque là. Il lui faut un bouquin de qualité argent. Comment je fais? Déjà, c'est pas ici, c'est là. Livre. Alors, il me faut de la qualité argent. 70% de chance. On va dire ça. Et c'est totalement pas ça. C'est totalement passé à côté. Livre de qualité argent. Et ça m'a fait tellement de bleu aussi. Ça, je vais en prendre un. Je vais prendre ça. Je sais pas. D'accord, ça se décompose en 30. Alors, je vais le poser. Je vais poser ça. Prendre lui. Je devrais poser ça aussi. Ça. Et je veux aller au phare. J'ai pu. Voici ce que j'ai écrit. Jolie couverture. Bien, repassez la semaine prochaine et je vous dirai ce qui s'est passé. Commercer. J'ai toujours ma pierre de foyer. Elle a juste un cooldown. Oh, mais si j'avais su. Enfin, je crois, enfin, on dirait. Ok, ça me rend. De toute façon, ça m'allait de gaspiller entre guillemets les sous parce que j'étais sûr qu'il faudrait attendre une semaine pour qu'il soit content. Donc, gaspiller entre guillemets une pierre de foyer pour tester tout ça, c'était rentable. Du coup, j'aurais. J'ai oublié de lui vendre, bon, tant pis. Là il fait nuit, il est en train de venir. Le village est en sécurité. Hop. Commercer. Hein? Non, c'est bon. J'ai cru que c'était un livre en qualité argent, mais c'était juste un. Tout presque. C'était juste une histoire. Une pièce d'or, 50 pièces d'argent. Je confonds l'argent et le bronze. Pim, pim, pim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 8. 13.
en fait, je serais pas contre avoir un autre zombie. La pierre de fouillis est presque finie. Je voulais récupérer un des zombies qui fait de la pierre parce que j'ai pas besoin d'autant de pierre là. On a besoin d'un deuxième ici. Et je suppose que je peux pas me TP avec un zombie. Faire la carrière. Finisse. Et je veux prendre le 12. Ça. J'ai laissé le 10. Et je me rentre avec lui. Là-haut déjà, pas grand chose. Je crois que ça tourne et après ça mène nulle part, ça mène jusque là quoi. Seul, il était à 15 de mémoire, non? Je ne sais plus trop, faut que j'aille vérifier. Je crois que j'avais 15 et 18, du coup celui du sous-sol. Du coup, celui du sous-sol était bien à 15. Ouais.
falloir plus de planches. Décider d'aller me prendre la fleur jaune ici, tout seul. Mais j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, on était le jour du sermon. Je n'ai totalement pas fait gaffe, au secours. Tu vas me dire que c'est déjà trop tard. L'autre il s'est déjà cassé évidemment. Bon, tant pis. Des fleurs jaunes, je les ai mises où? Les anciennes, je ne sais plus. J'ai déjà dû l'utiliser. Intéressant.
fluide et distillation. Comme toutes les gelées, quoi. J'ai oublié la poudre. Alors, on va faire des jus de baie. Non. Pas besoin. C'est Mademoiselle Charme, mais Mademoiselle Charme veut sauver Wagner. Et pour sauver Wagner, on a besoin de l'astrologue qui m'a dit d'attendre la semaine prochaine. Voilà, tout simplement. Ah mais j'ai pas vu, ça fait déjà 1h40 de VOD pour cet épisode, du coup... j'espère que c'est pas trop long et que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite.